À l'occasion des 50 ans de l'école d'aviation de chasse de Tours, une exposition sera inaugurée ce week-end dans le péristyle de la mairie. Un avion Alpha Jet aux couleurs de l'anniversaire sera exposé en face du palais des congrès Vinci. Mais c'est bien sûr cet après-midi sur la base aérienne de Tours Nord qu'il y avait le plus de mouvements. D'abord avec les remises de décorations, puis la remise des brevets de pilote aux élèves formés sur la base. Mais ce qui a fait lever les yeux au ciel, ce sont surtout les démonstrations en musique. Il y a d'abord la patrouille Cartouche Dorée et ses trois Upsilon qui ont fait des exercices de voltige. Enfin, le passage furtif, mais passage quand même de la PAF, la patrouille de France qui s'est ensuite dirigée vers le centre-ville et a descendu l'avenue de Gramont. L'Alpha Jet sera exposé tout le week-end face au Vinci. Quant à l'exposition dans le péristyle, retraçant 50 ans de formation d'aviation de chasse à Tours, elle se tiendra jusqu'au 24 juin.